Le monde est petit. Ce lundi 23 mai, Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro de Touche pas à mon poste sur C8. En début d'émission, l'animateur avait tenu à accueillir Jonathan Cohen sur son plateau afin de promouvoir la série Le Flambeau, diffusée ce soir même sur la chaîne cryptée. Sachez que si est-il une merveille, a-t-il assuré. Et de développer, j'avais adoré la première mouture, La Flamme qui était une parodie du Bachelor. C'était culte. Je pense que si est-il au-dessus. Si est-il une énorme darka. De quoi toucher l'acteur et réalisateur à l'origine du projet. Avant de dévoiler une bande-annonce, Cyril Hanouna a tenu à féliciter bon nombre des comédiens qui figurent au casting de cette série. À l'instar de Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti mais surtout Géraldine Nakache que j'embrasse. Et pour cause, le trublion de C8 connaît particulièrement bien la comédienne. Il l'a même vu grandir. J'étais son mono en colo, affirme-t-il, avant de poursuivre avec humour, et je l'ai vu partir comme ça. Si est-il fou, ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna met en avant son lien avec Géraldine Nakache. Cyril Hanouna a été le moniteur de Géraldine Nakache à plusieurs reprises à chaque fois qu'il la reçoit sur son plateau, l'animateur en remet une couche. C'était par exemple le cas en 2018 alors qu'il expliquait être parti en colonie de vacances avec Géraldine Nakache à deux reprises. Il se souvenait alors de l'ami de Géraldine Nakache, une certaine Vanessa que l'animateur aimait beaucoup, comme l'a révélé la compagne de Jérôme Elie Bétilla. Vous étiez mon animateur en colonie dans un mouvement de jeunesse qui s'appelait tout simplement Shalom Loisir, avait-elle détaillé dans un éclat de rire et dévoilant une photo dossier de Cyril Hanouna à cette époque. Est-il quelques années plus tard que leur chemin s'était recroisé alors qu'ils officiaient tous les deux sur la chaîne Comédie Plus. De quoi créer un lien étroit. Loading Widget.